Alors, programme du jour à 11h22, le dressage de Tiffen avec Ali. Donc, qui rentre dans la compétition. Et vers 14h30 par là, il y a le cross de Alice et Ayla. Donc voilà, on espère qu'elles sont sans faute. Des courses parce que je vois si Tiffen en dressage ben nous a fait une Tiffen voilà un peu blondasse mais bon c'est pas grave on la voit pas ça se voit pas non. Donc raconte ton dressage Tiffen. Et ben bonne détente enfin pour une fois Aline c'est pas mal après carré des 10 minutes le pauvre il a découvert que c'était dur la vie
Et sur le dress, mais ça a bien commencé parce qu'il a pas eu peur des cahutes. Et après, par contre, c'était ouvert, galop à faux. Et sur la fin, il était bien sur la fin quand même. Tu te fais plaisir? Donc, voilà. Ouais, moi je me suis fait plaisir, j'étais mais contente de lui. Mais Putain! Alors, je suis avec Aïla. Donc, comment ça s'est passé ton dressage, Aïla? Bah, il était vraiment trop cool. Ouais. Je suis éclatée dessus, c'est trop bien. Bon, cool. Et là, tu sors de ton cross. Et comment ça s'est passé? Il était vraiment trop génial. Il a tourné partout. Plein de traités, il était trop bien. Il est rentré au galop. Il était trop cool. Ouais, il était pile dans les temps. Et donc, hier, t'étais combien? C'était 24e après le dressage. Bah, c'est bien. Avec un sans faute, pile dans le temps. On verra. On te souhaite maximum.
just want to surrender. Gotta break this all and wanna rise. Gotta face this war I can't deny. Can you help me feel myself again? I can't win. Oh, tell me, can you feel me? I want to feel something. I can't break away from this. And I need your help, oh, tell me. Alors ce dressage, Alissa. Et ben c'était bien. J'arrivais pas à trouver ma soeur, mais c'était bien. Sinon, je suis contente. C'est combien t'as fait? Toujours pas. Non, je sais toujours pas. Toujours pas. Bon. Moi je vous le dis, elle a fait. Bah, si tu peux lui dire. Je te fais. Vas-y, vas-y, dis. Tu veux savoir? Ouais. Pour de vrai? Ouais. Non, tu le sauras pas. D'accord, voilà. Mais pour de vrai, tu le sauras. Dernière. Non, t'es 33. Donc voilà, elle a fini 33ème avec un plutôt bon dressage. Mais cette couille, elle est passée au trot avant la lettre, donc elle a moins 2. Voilà. Et là, donc tu sors de ton cross. J'ai fait un refus. J'ai pensé à Alice. Oh, mais j'ai l'année dernière, elle était tombée avec la mouille, donc elle s'est revanche. Donc on est très content. Merci Alice. Au revoir. Elle se cache dans les Elle est montée toute seule. Moi j'étais là en train de monter, puis là d'un coup je me retourne. Je vois bébé qui était en train de monter, je crois. Donc aujourd'hui on est mercredi, programme de la journée. Alice et Ayla passent sur CSO vers 9h et vers 9h. Alice passe numéro 5 et Ayla numéro 20. Et en suivant à 10h20 il y a le cross de Tiffany. Donc matinée où on va beaucoup bouger, mais l'après-midi on a tous de libre. Donc ça va être sympa.
Voilà. Donc le CSO de Ayla et Alice sont terminés. Donc Alice nous fait un très beau sans faute. Bravo Alice. On est trop contente pour elle, vraiment. Bon, malgré les petits points de temps. Bon, il y a quelques points de temps dépassés, mais en vrai on s'en fout complètement parce qu'elle est sans faute. Et Ayla a fait 2 bars. C'était quand même un joli tour. Ouais. Bah, voilà, franchement. Bravo les filles. Bravo. On est très contentes. Voilà, maintenant on part. Ouais. Sur le cross de Tiffen qui passe 10h20. Ouais, 10h20 par là. Donc voilà, il fait déjà trop chaud. Beaucoup trop. Allez, à tout.
Alors, Tiffen a fini son cross. Et bien, un super beau sans faute. Trop bien. Trop bien, ouais. Bon, 3 secondes de temps est passé, mais franchement. C'est rien, quoi. C'est rien. En plus, il y a énormément de casse sur le cross. Il y a moyen qu'elle prenne énormément de place aussi. Donc ça voilà. C'est bien, quoi, on espère. Ouais, franchement, ouais. Ah, j'ai acheté. Et donc, ouais, voilà, on est trop, trop contentes. C'est trop bien. Alors, je suis avec Alice et Ayla qui ont fini leur championnat. Oui. Alors, comment c'était, Alice? Ben, c'était trop bien. Genre, j'ai fait un sans faute et avec 6 points de temps, mais c'est pas grave, je suis trop contente. Ouais, trop enfin, cool. Le sans faute. Ouais. Et les championnats, alors, c'était bien? C'était génial. C'était mon but de finir. Ouais, très bien. Au moins, t'as accompli ton but. Et toi, Ayla? Et toi, Ayla, comment ça s'est passé? Ben, moi, j'ai fait 8 points. Sur le 3 et le dernier. T'as dit quoi toi? Et tes championnats du coup, t'en es contente quand même? Oui, c'était bien. C'était bien? C'était bien ou c'était trop bien? Ouais. Voilà, et demain nous avons Tiffen sur SNSO. Et Léa, non pas du tout, Lisa et Chloé qui passent, qui commencent leur championnat. Non, elle commence après-demain. Oui, elle commence après-demain, mais voilà. Tu dis que de la merde. Bah allez, on se ressent. À demain. Alors aujourd'hui, Tiffen passe sur son CSO vers 9h. Et voilà, c'est une journée tranquille. Voilà, voilà. Non. On la verra après son CSO, pour l'instant elle est 23h. Je suis avec Tiffen qui a passé son cross hier et son CS aujourd'hui. Donc raconte-nous un peu ton cross pour commencer. Bah, le cross top de top. Bon ben bah, à part Ali qui a fait son Ali à l'entrée du game. Mais sinon il a tourné court. Il est avancé. Presque. Ah ben bah, Ali sur un cross quoi, il attaque les obstacles. Et, ouais, il a tourné court un peu et à fond. Même malgré les 2 secondes de retard. Et du coup t'as pris combien de places déjà? J'ai gagné 10 places. Plus. Mais j'étais 42 après le dressage et 23 après le cross. Mais ça fait 19 heures. Ah mais oui, 19, 10 places. Merci Tiffen. Et donc, bon, très bon cross au final. Et ton CSO? Et le CSO, alors paddock bof bof parce que les gens ils regardent pas ce qu'ils font. Arrivé sur le tour, j'ai essayé de le motiver, un peu hésitant sur le 1 et sur le 3, et après un amour, il m'a sauvé sur le double, et un amour. Trop bien. Et donc tu finis. Et du coup je finis 20e. Une belle remontée dans le classement qui est un dressage. Qui avait, elle était partie 42. Voilà. Finis 20e. Donc c'est cool quand même des bons championnats. Pour un premier championnat, c'est plutôt cool, ouais. Bon. Voilà.
Voilà, donc demain on retrouve Lisa et Chloé. Sur le dressage. Sur le dressage. Lisa à 9h30 et Chloé à 14h. Et puis voilà, sinon il va faire très chaud. On verra. Voilà. Alors aujourd'hui, début des épreuves pour Chloé et Lisa. Donc Lisa en jeune cavalier excellence, un jeune cavalier. Donc Lisa se prépare et elle passe 9h30 sur son massage. Et Chloé elle passe à 14h et là c'est un peu. Hey Joe. Thank you.
Avec Lizouille qui a passé son dressage hier et son cross cet après-midi. Alors, c'était comment Le dressage, voilà. non, j'ai fait des erreurs et c'était bien quand même. Mais bon. Du coup, voilà, j'ai fait un petit coup au moral pour le dress. Et après, le cross, j'ai fait sans faute et dans le temps, et Pépette, elle était trop bien. Mais du coup, ça te remonte le moral. Oui, heureusement. Et demain, le CSO. À savoir que quand même, Lisa est en excellence. Donc, c'est pas facile de concourir contre des cavalières qui sont en excellence aussi. Ouais. Voilà. Ouais. C'est des putes. Elles sont trop fortes, c'est ça. Là. Bon, ouais, non. On critique pas la concurrence, mais oui, c'est compliqué d'être en excellence quand même. Donc voilà, donc demain on te retrouve à... J'ai ma reco à 13h30. Voilà, donc sur le CSO pour la dernière épreuve de Lisa et de ses championnats. Voilà. Et après c'est fini. On est déçus. Voilà. Ben alors aujourd'hui c'est le dernier jour à la motte. Donc c'est le CSO de Lisa, normalement il aurait dû avoir le CSO de Chloé aussi, mais malheureusement elle a été éliminée sur le cross hier. Donc voilà, donc là on a le CSO de Lisa, et on croise les doigts pour qu'elle soit sans faute, et voilà. Et on lui souhaite bonne chance.
en front de nos sauts. Mais 6 points de pénalité sur le temps. Parce qu'elle est partie trop tard. Voilà. Mais bon, de toute façon, il vaut mieux qu'elle travaille bien et au pire se prendre des points. Donc voilà, on est triste de partir, mais bon, on va quand même passer deux semaines trop cool. Et voilà, c'est la fin. À droite, c'est bon. Ouais. Donc bon, ben on vous dit. Et ce soir, c'est la misère à Gautier. De l'eau, du ketchup, de la mayo, il va passer par toutes les couleurs. Et voilà, bon ben on vous dit au revoir. Bisous. C'est la fin. Salut. Ça m'énerve d'avoir la rhino. Ouais, ce rhino là, j'aurais frappé l'autre. Ça t'énerve quoi. J'ai eu la rhino, sinon j'aurais défoncé le mec et j'aurais chopé mon petit poney. Je serais parti. Là, tu vois. On peut jeter une vidéo, hein, tu seras dans le bêtisier. Ah, parce qu'il y a des bêtisiers. Ah, bah oui. Ah, mais vous savez, photo, vous êtes dégueulasse dessus, là, vous allez avoir des gueules de merde. Donc. Sur le dressage là. Bon ben première journée d'épreuve terminée avec Anne et Selma. Donc Anne ce matin sur l'équifil. Donc ouais. Et t'as dit que t'es ici Anne? Anne après? Oui. Mais il s'est passé quoi? Mais Selma. Mais explique Selma. Explique ce qu'est l'équifil d'abord ce matin, débile. Mais je l'ai déjà expliqué. T'as déjà expliqué les filles? Oui, j'ai déjà fait une vidéo. Bon, je comprends ça. Bon, mais... Allez, merci. Donne-moi mon tour de mon lait. Bon, ça parce que... J'attends qu'elle finisse de parler. Mais bon, tu comprends ça. Oui, je comprends l'entendre. Salut les loulous. Salut. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les épreuves de Selma. 8 points dans le parcours. Ouais, c'est Selma. 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 C'est Aïs. La Gaïque. Apache. Oh putain. Que je vous explique un peu le délire. Aïe. Il est 1h du matin. Écoutez, ronfle comme un gros cochon. Voilà. Je vais partir à la recherche de celui qui ronfle. Il y en a un deuxième. Ah mais c'est le Julio. Benina. Tu sais pas manger? Quelle grotte dégueulasse. C'est horrible. Oh. Et elle monte pas dans ma voiture. Chapeau. Je sais pas ce que c'est. Ouh.
Drapeau doré. Ce soir, il se passe. Merci Gauthier. Donc Tiffen a passé son cross hier et son CS aujourd'hui. Dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Elle est mignonne. C'est la team 13. Ah, Gauthier. Regardez-moi oh non ça. C'est joli ça. C'est la vidéo quand il y a pas de bon. Je sens que ce bêtisier va être beaucoup plus long que la première année. Bon, je couperai tout. Donc je suis avec Tiffen qui a passé son cross hier et son CSO ce matin. Donc putain, Léa. Ils ont beaucoup vu ou ils ont pas. Vas-y, il me saoule. Mais laissez-moi faire mon truc tranquille. C'est plus, c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a des rideaux pour un spectacle. Je fais du CSO et je monte à chevaux. Moi dans mon centre équestre, je me prends pour de l'estre. Je fais du CSO et je monte à chevaux. Le cul bien dans ma selle, je me sens pousser des ailes. Dans la carrière, tous les samedis, dans mon pantalon. Elle m'a dit coucou papa. Ça va ma puce? Je sais pas, c'est... Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Mais que sur la jambe gauche en fait. Moi, tu me l'enregistres. Ouais, coucou papa. Ouais, parle bien, ouais. La bombe, c'est obligatoire, monsieur, même si même en western. Hein. C'est génial. Coucou papa. Encore, elle fait que se tourner, celle-là. Elle a regardé. Il t'a choqué, le gars sans bombe? Je sais pas, on se met dans les caravanes et on fait ça, on aura les ordres de... Jean-Michel Olasse. Oh, grosse pétasse. On va tout ça. Casser chez toi. Salma. Salma. Ha ha ha.